est un peu coutumier du fait de ce 1er avril qui fait réagir sur divers sujets. Et, mais j'ai répondu positivement, tout en sachant que c'était un sujet très très sérieux et que c'est pas une plaisanterie. Dans toutes nos réunions, on a interpellé sur l'état des voiries, que c'est quelque chose qui me préoccupe aussi énormément. On a beaucoup de voiries sur Saron, certes, mais beaucoup de voiries non entretenues et qui font que c'est un réel problème. Il y a deux catégories de voies. Il y a les voies communales sur lesquelles on fait des travaux, effectivement, comme la rue Louis-Aragon ou d'autres voiries. Et puis, il y a des voies dites structurantes qui ont été reprises en 2017 par la métropole dans des échanges de voiries. C'est un petit peu compliqué entre le département et la métropole. Et ce n'est pas nous de les faire. On n'a pas, de toute façon, la compétence pour refaire ces voiries-là. La voie structurante, c'est une voie qui est départementale au départ, reprise en 2017, et qui par définition structure la ville. Et comme beaucoup de voiries, empruntées par 90% des gens, de toute façon, qui n'appartiennent pas à la commune, où il y a une circulation, comme vous le voyez aujourd'hui, importante. La rénovation de ces rues doit être prise en charge par la métropole puisque c'est un échange de voiries entre copains, je dirais, puisqu'il y a eu un état des lieux en 2017 qui faisait déjà état du mauvais entretien, notamment de cette voirie de la rue Passe-Debout. Donc c'est à la métropole d'en assurer de toute façon l'entretien. Parce que ces voiries ne sont pas prises en compte, alors que depuis des années, on pose la problématique. Et qu'aujourd'hui, que je vois dans le futur PPI, par exemple, de la métropole, que ça ne sera toujours pas pris en compte. Et ça, je trouve ça anormal. On met des voiries sur Orléans, par exemple, sur les mailles qui vont être faites. Alors que nous, cette problématique de voirie, elle passe à la trappe. Et aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas sérieux.